Chers vidéospectateurs, vous suivez votre chaîne AC Official TV, chaîne qui a comme mission vous informer sur les différentes réalisations de l'entreprise Adi Construct Sarles. Avec Adi, construisons un pays plus beau qu'avant. Par cette émission, nous vous présentons les travaux de réhabilitation et modernisation sur l'avenue Oshoué à Kalamu Matungi, dans la ville-province de Kinshasa en RDC. De la direction Kasavubu jusqu'à l'entrée de la porte Tata Raphaël comme stade, l'un des sites les plus vastes où se passera les Jeux de la Francophonie. Après avoir posé les bétons sur la première phase, l'entreprise procède par les curages caniveaux. Et dans tous les tronçons de la direction Kasavubu jusqu'au stade Tata Raphaël, l'entreprise a constaté un seul endroit où les caniveaux étaient en très bon état. Chef-staff Makola Mwanakin, connu de tous, un exemple donc à suivre. Suivez l'intervention de l'ingénieur. Bon, en tout cas, c'est à mon grand étonnement, arrivé chez Mwanakin, en amont là-bas, nous avions ouvert les dalles. Tout est bouché, tout est complètement bouché. Alors, on a procédé de commencer en aval pour permettre aux eaux de couler et les gens qui tirent avoir la possibilité de le faire. On arrive chez le vieux Makola ici, je ne m'y attendais pas. Le caniveau est impeccable, mais très propre. Donc le vieux entretient ses caniveaux différemment de tous les autres sur Oche qu'on est passé. On a eu vraiment à lui donner des fleurs, à lui jeter des fleurs, à lui remercier parce qu'il tient compte de l'assainissement de son environnement. De par ce comportement si important, un conseil pour les Congolais. Voilà, je demande à ceux qui vont suivre cette émission, ceux qui vont suivre cette audition, de suivre l'exemple du vieux Makola, Mwanakin, qui est au bout là-bas. Regardez comment il a entretenu ses caniveaux et ça n'a pas demandé trop de dégradation. On n'a pas cassé, on n'a pas fait de mouvement dessus. Prenez cet exemple, profitez-en. Et vous pensez que quand l'État va passer, l'État vous laissera tranquille, qu'on vient de lui laisser là tranquille. Mwanakin, un exemple à suivre. Il nous a aussi parlé sur les difficultés rencontrées dans sa première phase sanctionnée à la pose de béton. Je rappelle que vous êtes ingénieur sur Adi Construct Sarles, en train de faire la direction des travaux sur un chantier Oshoué, précisément à Kalamu Matongé, direction qui ramène vers Stade Tata Raphaël, là où se passera le jeu de la francophonie, l'un des grands sites. Ouais. Quelles sont les difficultés rencontrées pour la pose de béton? Voilà, le béton, nous l'avions fait dans la chaussée. Mais nous avions eu des problèmes parce que les accotements, les gens ont ramené les eaux vers la chaussée. Or, les eaux des riverains devaient partir vers les caniveaux qui est devant leur parcelle. Ils ont créé des dalles supplémentaires qui ramènent les eaux vers la chaussée. Or, l'eau est le premier ennemi de la chaussée. Donc, nous avons fait un effort de remettre notre chaussée rigide en toit pour qu'il arrive à ressortir les eaux sur les trottoirs. Comme ça, à la suite, je sais qu'avec l'OVD et le gouvernement, on pourra trouver des solutions là-dessus. Ce sont ça qui étaient comme difficultés d'accontrer. Voyez-vous qu'après avoir fait ce travail, il n'y aura pas de désagréments, il y en a un peu de temps dans la de toutes les façons, nous sommes Congolais, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Nous travaillons comme des Congolais, comme des Autochtones. Ce que nous avons fait reste jusqu'à ce que nous serons morts. L'avenir là n'aura plus de dégradation. Mais néanmoins que le gouvernement tienne en compte le préalable que nous avions fait pour ramener les eaux des rivières vers les caniveaux et non vers la chaussée. La population n'est pas restée indifférente. Suivez son expression. Bonjour papa. Comment on va mettre Lion King? Oshoué, je suis à Oshoué. Na sepeli makasi na propriété à des constructions de ça là. Donc bisot to sala awa, ngaza sécurité awa. Bon sur le banon pour ça awa, batu banon ko fanda penate. Suivez ce numéro jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Solution à tous vos projets. Avant de pouvoir continuer, je vous invite tous à vous abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser plusieurs personnes, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos différentes émissions dans le futur et à partager pour une large diffusion. Bon visionnage.
La population n'est pas restée indifférente. Suivez son expression. Basoko literacy comme bien propre, mais isolé ka donc en tout cas bien musa les osa la makitoko. Mais c'est vrai que quand on se rend dans le trait de la poche, on se rend de nos pieds. Il a été mis le bête à moi du solo bête. La poche est arrivée dans les gamins à la débat. Oui. Normalement, mboula soke bête à wa donc que zala qui fait na à l'aise. Mai na terrasse ko tonda poto donc c'est comme na rota lokolo ezala gité na prince poto terrasse ko to soki mai donc ezo débordé biso ati na kati a okomona donc ezo tonda na mai makasi me na za sir ndengi bande ko basali po peter balongoli salitenye so yalagi na terrasse tokomi penalize ezala malamu mingi soki biso to osalela bopeto oyo elobi ye moko mokonza mboka tobwaka basalite te na terrasse bwaka mai me salite te shasi bwaka na esika nango po bandeko mpe bazali bazotambola bazolokota bafulu totiaka fulu esika moko ndeko oyo alokotaka fulu aye alokoti ake kobwaka eza te tobwakaka na terrasse bashasi bamba biloko surtout bamama balewa zwa biloko na yo salite tsango na chasse sika moko ndeko azolokota ba poubelle aya alongola ngo pomboka na biso zala na popete lokola ba mboka mususu ezate mboka na biso moko to bebisaka tozo ko mifinga mabiso moko alors biso moko to tsa popete alors soki yo olingi nzoto na yo ezala soin yo moko fo mitango soin soki olingi te nzoto na yo ezala salite soko mitiki bongo ba ko finga mboka na yo alors poto pesa mboka na biso valeur tope sa ndoko mboka na biso popete na sepeli pena makasi musala ezo sala na mboka bon na mona mboka ndenga kita zo sala musala donc c'est 10 pona nga na bese 10 aumela merci hein 10 pena na pese aumela zamba bakisela mayele hein mayele ya kosala la susu musala ya kopesa li susu baninga li susu makasi bandeko li susu bazala susu makasi parce que biso moko bana mboka ne to kobongisa mboka na biso ezate ba paya ba ya kobongisa biso ba onde ba ya kobebisa biso nde faut de ta propriété na mboka na biso. Merci. Nous avons passé avec vous la première émission. Vous avez, n'est-ce pas, éclaté en disant que la route sera, n'est-ce pas, construite en deux phases. Chaussée rigide et chaussée souple.
plaît. Ouais. Pour la partie restante, quels sont les travaux qui restent avant de pouvoir poser des enveloppes? Et voilà, nous avons la partie chaussée souple, à ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas la chaussée souple, c'est les enrobés. Le bitume, c'est ce qu'on appelle le goudron en soie. Avant qu'on les fasse, nous avons quelques points tata à faire. Avant de faire le point tata, nous avons ciblé les zones où les caniveaux sont complètement bouchés. Donc, il faut d'abord déboucher les caniveaux pour recadrer les eaux de la pluie avant d'appliquer notre chaussée souple. Plusieurs sont passés pour construire cette route, mais le peuple n'était pas satisfait. Mais par l'entremise de Abi Kodoksarlo, la population très satisfaite. Quelle impression avez-vous de votre entreprise? L'entreprise a dit construite en soi, c'est une entreprise des Congolais. D'abord, le propriétaire, c'est un Congolais, et les ouvriers, les ingénieurs, tous les cadres sont des Congolais. L'entreprise travaille avec l'amour de son pays. Donc, en travaillant avec l'amour du pays, on respecte toutes les normes exigeant les travaux publics. Donc, avec tout ce qu'on fait là, c'est ça qui fait rassurer la population. Donc, nous nous donnons vraiment confiance à notre pays et nous travaillons pour nous rassurer que nous travaillons chez nous et non ailleurs. Merci, monsieur le journaliste. Avant de quitter, je vous invite tous à vous abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser plusieurs personnes, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos différentes émissions dans le futur et à partager pour une large diffusion.